Stéphanie Ever, avec votre sœur Christine, vous étiez les jumelles de Premier Baiser. Vous étiez aussi chanteuse, quelques titres entre 1993 et 1996. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenue chanteuse à 20 ans ? Une évidence. Déjà, j'étais chanteuse dans un bar avant de tourner dans la série avec ma sœur. À Paris ? À Paris, oui. À The Hollywood Savoy. On était serveuses-chanteuses, tous les serveuses chantaient, on servait, après on chantait une chanson. Les tips pour les tips, c'était génial, pour les pouvoirs. Quand vous démarrez Premier Baiser, surprise, vous avez déjà enregistré un album. On était en train de faire un album avant, oui. Hors d'AB Productions. Oui, on était sur un projet d'album bien avant de tourner. Un projet mené par Bertrand Lepage, ancien manager de Jackie Quartz et Mylène Farmer. Comment il vous a découvert ? Il nous a vus chanter au Hollywood Savoy. Et il nous a contactés tout de suite et il a travaillé notamment avec Mylène Farmer. Mais vous vouliez être chanteuse ou comédienne ? Nous, on voulait être comédienne à la base, mais hey, on nous propose de faire un album. Finalement, est-ce que vous ne vouliez pas être plus célèbre que comédienne ? Je voulais être comédienne. Chanter, c'est parce qu'on aimait bien. Célèbre ? Oui, peut-être, à l'époque, oui. Je ne veux plus être célèbre maintenant. En 1993, c'est donc dans une autre maison de disques qu'AB Productions que vous sortez votre premier CD de titre qui s'appelait « Rose ». Stéphanie Ever, j'ai retrouvé ce disque, je vous l'ai apporté. Oui, j'ai pas vu depuis très longtemps. Prenez-le. Ok. Oui. Retournez l'autre côté de la pochette. Vraiment. Oui. Pourquoi c'est si dur ? Parce que je déteste cette photo. J'ai toujours détesté cette photo. J'ai détesté ces séances photo. C'est une catastrophe. S'il vous plaît, ne laissez pas ça ici parce qu'un ami va le trouver et on va me charrier. Bon, je le reprends. Bertrand Lepage voulait lancer vos carrières de chanteuse. Est-ce qu'il était d'accord pour que vous soyez dans Premier Baiser ? Non, absolument pas. Il ne voulait absolument pas que je tourne dans la série. Ah ils oui. ont tout fait pour que je ne tourne pas. Ils ont essayé de trouver des trucs dans le contrat. Ils ont essayé de trouver un moyen pour qu'on ne le fasse pas. Ils voulaient nous donner l'argent. Ils voulaient nous payer la même paye qu'on allait recevoir dans la série pour qu'on ne le fasse pas. Et enfin, rien à dire, on voulait tellement, on voulait être comédienne à la base, donc on ne pouvait pas. Et AB Productions, ils ont tenté d'empêcher la sortie de ce disque ? Oui, ils ont essayé de bloquer. Ils n'ont pas réussi. Et puis pourquoi à la fin ? Mais ils ont essayé de bloquer. Est-ce que vous vous souvenez de vos chansons, cette fois chez AB Productions ? Oui, mais un peu de musique. Puis on a fait quelques chansons pour les tournées. Oh oui, génial, super, super bien amusé. Stéphanie Ever, votre premier disque chez AB, souvenez-vous, ça s'appelait « Tous un peu soleil ». Oh my God! C'est 90. Je ne me reconnais pas du tout, c'est quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup de cheveux. Wow. Wow. Blast from the past. Wow. Oui, il ne faut pas montrer ça aux gens. C'est impossible. C'est une belle chanson. Oui, c'est mignon. Oui, j'aime beaucoup. J'aimais bien à l'époque. Il y a cette photo du tournage. Oh my God. Je ne me reconnais pas. Et Christine, c'est pareil. Waouh. Il y a longtemps. Et ça vous fait plaisir ? Oui, ça me fait plaisir. Ça vous touche ? C'est incroyable, je me vois. C'est quelqu'un d'autre. C'est fou, ça. Comment ça ? C'est quelqu'un d'autre. Je sais pas. Ces chansons, est-ce qu'elles vous reviennent en tête des fois ? Non, 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 non. D'ailleurs, j'ai pas entendu cette chanson depuis une éternité.